à tous et bonne fête à toutes les mamans. Bienvenue dans une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Vous savez, c'est le rendez-vous hebdomadaire où l'on dit ce qu'on a reçu dans nos boîtes aux lettres durant une semaine. Alors, cette semaine, j'ai reçu 1212, La croisade des indignés de Jacques Cassabois, avec une dédicace. Donc, je suis super contente parce que c'est un auteur que j'apprécie énormément. Donc, il a notamment écrit Tristan et Iseut. Il a réécrit Antigone, il a écrit son dernier roman, c'était Jeanne. Et donc là, c'est un roman sur les croisades. Donc ça m'a l'air super intéressant et à chaque fois, c'est un roman qui vous plonge dans l'histoire et qui vous apprend des choses avec plaisir. Donc voilà. Et ensuite, ce sont des amis qui m'ont offert des petits livres pour mon anniversaire, en avance, mais c'est pas grave. Donc alors, il s'agit de Nutella. Donc les 30 recettes cultes. Donc il y a plein de petites recettes super appétissantes, de cette super bonne pâte à tartiner. Bien grasse, mais bon, on s'en moque. Donc par exemple, je pense que j'essaierai de faire le birthday cake. Donc, ça m'a l'air super bon. Donc voilà, c'est un petit truc Nutella. Et un autre, c'est tous mes pachas. Donc en fait, c'est plein de petites images de chats. Donc j'essaie de vous en trouver une qui était sympa. Voilà, celle-ci notamment, regardez. Donc, c'est David Copperfield ne ferait pas mieux. Donc, en fait, c'est plein de petites images de propriétaires de chats qui ont envoyé ça à un ingénieur de Microsoft. Et en fait, il a décidé d'écrire un livre amusant sur ces petites bestioles qu'on adore tous. Donc, voilà. Donc, cette semaine, j'ai également reçu un marque-page de la part de Fairy Neverland, que j'avais gagné grâce à elle. Donc, c'était un marque-page Night School, dédicacé par l'auteur. Donc, je ne l'ai pas là puisqu'il est chez mes parents. Mais je remercie encore une fois Fairy Neverland pour ce super cadeau qui va intégrer mon roman Night School très bientôt. Voilà, c'est la fin de cette In My Mailbox. Donc, j'ai pas reçu beaucoup de livres, mais bon, c'est pas grave, j'ai déjà pas mal de livres à écouler. Donc je vous souhaite un bon dimanche, bon moi ce sera sous la pluie donc je vais lire, et également une très bonne semaine, et puis je vous dis au week-end, à dimanche prochain, ciao!